Ce n'est un secret pour personne, Jessica Thivenin est une adepte de la chirurgie esthétique. En effet, tout comme de nombreux candidats de la télé-réalité, la Marseillaise a succombé à la tentation de se faire opérer pour gommer ses complexes. Pourtant, après un implant dans le menton, deux dans les fesses, deux dans les seins, la femme de Thibaut Garcia a récemment décidé de faire une nouvelle opération. Lundi 6 février, Jessica Thivenin est ainsi apparue à la clinique de Dubaï. Comme vous le savez, je suis très complexée par ça. Ça me dérange depuis des années, a-t-elle indiqué à ses abonnés sur Instagram, en montrant ses joues, marquées par des rides d'expression. Elle a ensuite poursuivi en expliquant, « Il suffit que j'ai un coup de fatigue, que je perde un peu de poids, de suite ça ressort encore plus. » Jessica Thivenin n'est pas atteinte par les critiques concernant ses tentatives passées de dissimuler ses marques au visage. La mère de Mélone et Livan a confié qu'elle avait déjà tenté les produits de soins, les injections ainsi que les fils tenseurs au cours des dernières années. Elle a ensuite expliqué que la seule solution pour elle était de se faire opérer. Ce n'est pas un lifting, parce que ce n'est pas tout le contour, a-t-elle indiqué. L'opération a finalement eu lieu deux jours plus tard et la star de télé-réalité est ensuite apparue la tête entièrement bandée, en attendant de pouvoir découvrir le résultat. Finalement, Jessica Thivenin s'est défendue face aux critiques. Habituée à ce que ses moindres faits et gestes soient analysés, elle a indiqué qu'elle ne prêtait plus attention à ce que les autres pouvaient penser d'elle. On ne peut pas plaire à tout le monde, le principal, si est-il que moi, je me sente mieux, j'ai très envie de le faire depuis longtemps, donc je vais le faire, a-t-elle déclaré dans sa story Instagram avant de conclure par, je pense que chacun doit respecter le choix des autres. De quoi être très clair sur son état d'esprit.